Arrivés à Bourgogne-Jallieu, qu'ils soient évidemment tous présents à l'arrivée, c'est-à-dire 307 pilotes qui parcourent les nombreux kilomètres. Les chants Allez, Bon, ben, l'heure est arrivée. On est à 6 minutes. Voilà. 7 minutes, 6 minutes du départ, premier à partir de Monaco, donc voilà, c'est parti, hein. On se retrouve dans la nuit pour la suite. Ramonter. Après. Voilà le premier qui va s'élancer à... Là, il faut la mettre là, maintenant, là, là, ouais. L'équipage Raymond Durand, Sébastien Scholl, sur Opel Kadett GTE. Au Portugal, Charles Leclerc derrière Louis Chiron, j'ai plus de filet derrière pour la Louis Vidaletta, et Charles nous fait le plaisir. Avant, je croyais, j'ai changé de voiture, j'ai bougé en l'invitation du président Boeri et de l'Automobile Club de Monaco pour ce départ ici sur le quai Albert 1er dans 20 secondes maintenant. 22, 20, 18. Pour ce premier départ, il s'élance Sébastien Scholl, Raymond Durand. On se retrouve à Valence. À partir de 15h sur le champ de Mars à Valence. Après ces 960 km, et c'est parti pour la première auto le mot, l'équipage numéro 3. Raymond Durand, dans cette auto de 1960. Alors les amis, on n'y voit pas très clair, mais on est derrière Nice, on a pris le départ, donc 19h, voilà, donc c'est parti pour nous pour la nuit, 930-940 km de galère, pas trop j'espère, mais voilà, ça va être de longues nuits avec des points de contrôle, de passage et des choses comme ça. Donc on se dit rendez-vous dans la nuit, je donnerai 2-3 petites infos et puis sinon après demain matin. Allez, bonne soirée. On a pris en chasse les deux Stratos italiennes là. Il est 2h56 du matin et on va attaquer la montée du Mont Ventoux. Voilà. Bon, tout va bien pour l'instant, à part qu'on s'est pris une biche dans la nuit. On a cassé un phare. Mais sinon, ça va pas trop mal. Allez, à plus tard pour la suite. Bon, après des péripéties du côté de Cré, dans la neige, pas possible. On est enfin, et puis en plus, on s'est tapé une biche qui nous a un peu défoncé l'avant, ce côté. Voilà, on s'est pas arrêté pour voir ce qui a été devenu. Donc du coup, ben voilà, on arrive à Tain, au contrôle de passage de Tain. On fait des petits contrôles, le plein, et on va aller au contrôle de passage. Voilà, monté par la Zadrome. Et ben, la nuit, finalement, c'est pas trop mal passé. Et on se retrouve un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on mange ici? Ça, Sébastien, un café. Ça va. Ouais, on va s'arrêter 2 minutes là. On est pas en retard. C'est H de Bourgoin. Donc nous on doit pointer à 10h09, pas tout de suite. Donc on attend. Mais ça, il met quand même un bon vent, hein. Hein, pour entraîner la Stratos.
journée. Donc pour résumer, on est quand même parti depuis 19h hier soir du quai du port de Monaco avec plus de 950 km de concentration dans la nuit pour terminer à Bourgoin en milieu de matinée et enchaîner sur deux spéciales. Donc c'est pas évident du tout. Mais bon, on a réussi à se concentrer. Ce qu'on disait il y a 5 minutes, il y a beaucoup plus de choses à perdre qu'à gagner, mais il fallait garder les premiers au classement à vue et on reste dans les 10 premiers du classement. On est les 6e à la sortie de la deuxième spéciale de ce soir. Donc c'est bon augure. C'est très 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 serré devant. Ce qui est très intéressant en revanche demain, c'est que la neige est annoncée et ça on l'attend avec impatience. Là les écarts et les classements seront très différents. Peut-être pour nous aussi, mais on verra. Mais en principe on aime bien. Voilà, ben je vous dis bonsoir et puis on remonte sur Valence. Et...